Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420. Aujourd'hui, petite vidéo sur 6 objets rares. On aura 2 couteaux rares et 4 hachettes rares, dont le premier, le couteau en bois de serre. Alors ce couteau se trouve complètement à gauche de la map. Je vous ai localisé l'endroit. Il faudra vraiment, comme moi, mettre le même point de repère. Ce sera plus simple après pour pouvoir localiser ce couteau en question, car il se trouve dans une forêt. Et pour se repérer dans la forêt, c'est jamais facile, donc mettez vraiment bien le point de repère au même endroit que moi. Alors nous voici arrivés à la scène du crime. En fait, en se rapprochant un petit peu, on peut constater qu'une petite bagarre a dû avoir lieu ici, entre un homme et un ours. Malheureusement, il n'y a pas vraiment eu de gagnant, à part moi qui passe après et qui loot le couteau en bois de serre. Alors le numéro 2, c'est la hachette à double tranchant. Pour localiser cette hachette, rendez-vous à la gare de Wallace. Et là, vous voyez où j'ai mis mon repère. Il y a un petit point noir sur la map. C'est assez utile pour l'avoir justement comme repère. Donc mettez votre repère à vous dessus pour pouvoir localiser plus facilement cet objet. Une fois débarrassé de cet ours, je localise bien cette petite cheminée barbecue. Vous allez voir, je vais me positionner en fonction d'elle pour pouvoir avoir un visuel assez sympathique et pouvoir localiser la hachette à double tranchant plus facilement. Donc là vraiment on a bien le visuel avec la petite cheminée barbecue, on va dire. Et alors sur l'oursée de souche, vous pouvez constater la hachette à double tranchant. Alors pour le numéro 3, on se retrouve plus ou moins au centre de la map pour pouvoir localiser la hachette à équarrir. Alors pour récupérer la hachette à équarrir, c'est vraiment très simple, il faudra avancer vers cette petite maison sur laquelle un arbre s'est effondré. Et alors vous allez voir ici, il y a un petit feu de camp, on va dire, ou tas de cailloux. Ah ben, juste après ce petit tas de cailloux ou feu de camp, vous allez voir une souche de bois, et sur cette souche, il y a la hachette à équarrir.
Pour le numéro 4, rendez-vous ici dans cette petite maison que je localise pour y retrouver la hachette de chasseur rouillé. Cette hachette se trouve en fait juste en face de la maison sur une petite souche de bois. Quand vous arrivez de face, la souche se trouve légèrement sur votre droite. À vous de récupérer votre hachette. Pour le numéro 5, je vous présente la hachette à double tranchant rouillé. Cette hachette se trouve complètement à droite de la map. Je vous la localise ici en vidéo. Elle est assez simple à trouver. Ici, quand vous avez cette vue-ci, en fait, il y a une petite souche qui se trouve vraiment légèrement sur ma droite, là en face de la maison. Il faudra simplement aller sur la souche et récupérer la hachette à double tranchant rouillé. Pour le numéro 6 et le dernier de cette vidéo, nous avons affaire au couteau de la guerre de sécession. Ce couteau de la guerre de sécession se trouve dans un fort. En fait, il faudra tout simplement descendre en bas dans le fort pour pouvoir récupérer le couteau de la guerre de sécession. Je vous laisse donc avec les images et le gameplay. Je vous dis encore merci à vous et bon jeu.